les amis, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un projet très excitant. J'ai reçu la commande d'une nouvelle toile, une nouvelle réalisation sur un format vraiment géant. Là, vous avez sous les yeux trois toiles qui chacune fait 40 par 120 cm. Donc pour ceux qui calculent vite, eh bien on est sur un 120 par 120. Voilà, je vais réaliser une toile d'après un modèle que je vous montre de suite. Voilà, c'est la toile qui a inspiré cette commande aujourd'hui. Donc on va partir sur quelque chose qui est un peu dans cet esprit-là, un fond noir, des blobs. Tout ça sur eh bien, ces trois fameux supports qui au total feront 1,20 m par 1,20 m. Et bien maintenant, il reste à se faire plaisir. Allez, c'est parti pour cette petite session blob, cette commande spéciale. Et à mon avis, j'en ai pour quelques jours. Rangée de blobs noirs sur la droite parfaitement alignés. Pour avoir ce parfait alignement, j'ai utilisé une feuille quadrillée sur laquelle j'ai inscrit en schéma le diamètre de mes blobs et ensuite je viens poser ma feuille sur ma toile et poser mes petites épingles. J'ai une première épingle ici au centre qui représente le centre de mon blob et ensuite quatre autres qui viennent dessiner la périphérie. Qui fait que lorsque j'aurai enlevé mes épingles comme ceci et ma feuille dans sa globalité, eh bien j'aurai un repère qui sera un petit trou au centre sur lequel je viendrai poser le démarrage de mon blob et dès que mon blob arrivera sur mes quatre points, je stopperai l'application de la peinture et ça me permettra d'obtenir une ligne de blob comme ici, vraiment parfaite dans la position des globes et dans leur diamètre. Voilà pour la symétrie.